Le président national de l'UDPS et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux festivités commémorant le 68e anniversaire du décès du prophète Simon Kimbangu et l'anniversaire de naissance du représentant légal de l'église kimbanguiste son éminence Simon Kimbangu. C'est à 6h du matin que l'honorable Jean-Marc Kabound a quitté Kinshasa pour arriver en Kamba à 11h. Chemin faisant, l'honorable Jean-Marc Kabound a été surpris par une base de l'UDPS au village Lula dans la joie immense. Le président, l'UDPS, toujours le peuple d'abord. Yaronde Kani Congo. Voici ma moto bien. Jean-Marc Kabound, Oumela Père, d'accord. Dans la bifurcation de la route Mbanzangungu-Kamba, l'honorable Jean-Marc Kabound a été émerveillé par le drapeau de son parti qui flottait dans chaque coin du tronçon. Tomoni président national ya IDPS. Tozana esengo koyambaye, au tozana mabele ya Mbanzangu, pratiquement la fédération des cataractes. Le cortège a poursuivi son chemin vers Nkamba. Le président Haï de l'UDPS a retrouvé une autre équipe de militants réunis afin de lui réserver un accueil chaleureux. Il a eu droit aux honneurs et a salué quelques ministres venus également festoyer avec le fidèle kimbanguiste. Reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, l'honorable Jean-Marc Kabound a eu, par cette occasion, un tête-à-tête avec son éminence Simon Kimbangu Kyangani, au cours duquel il a transmis le message du chef de l'État. Parlant du parcours exceptionnel du prophète Simon Kimbangu, l'honorable Jean-Marc Kabound a salué la mémoire de ces combattants de la liberté dont le courage et la bravoure sont incontournables. Juste après leur entretien, son éminence Simon Kimbangu Kyangani a présidé un culte spécial au cours duquel ont pris part plusieurs autorités politico-administratives, traditionnelles et coutumières de la RDC. Notons par ailleurs que le président Denis Sassou Nguesso a été représenté par sa fille Stella Mensha Sassou Nguesso. Révérend Mario Swalezi Landou, prédicateur de ces cultes spéciaux, a centré son enseignement sur la célèbre thèse de Simon Kimbangu selon laquelle l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. S'en est suivi de l'intervention du représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a soutenu le message du révérend et a souligné que Simon Kimbangu s'est battu pour la dignité de l'homme noir et il constitue une bénédiction pour la RDC en sollicitant l'implication de fidèles kimbanguistes à la paix. Son éminence Simon Kimbangu Kyangani, représentant légal de l'église kimbanguiste, et chef spirituel, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, laissez-moi vous donner le fond de ma pensée en ces jours mémorables. Je vous prierai aussi d'être indulgent
à mon endroit parce que je serai bilingue. Question pour moi de me faire entendre, pour nous faire gagner aussi du temps, afin que je ne sois pas interprété par la suite. Je préférerais bien être bilingue. Je parlerai en lingala et en français. Son Éminence, au nom du chef de l'État que je représente ici, qui est très honoré par votre invitation en ces jours de double festivité, parce que les grands esprits, on ne les pleure jamais, on les célèbre, notamment de la date anniversaire de la disparition physique de l'envoyé spécial de Dieu et initiateur de l'Église kimbanguiste et de votre naissance. Laissez-moi vous dire que le chef de l'État est de cœur avec vous. Comme vous le savez, d'ailleurs, son conseil spécial a dit ici, c'est un chrétien qui croit fermement à Dieu et qui a même dédié ses pays entre les mains du bon Dieu. Nalingi kolobete présence na biswawa ezali esengo makasi. Ndenge balobaka que nul n'est prophète chez soi. Parfois que bisomoko ba congolais toyebaka munene ya Simon Kimbangu te. Azali personnage moko ya makasi. Vous vous imaginez na époque coloniale yoye bisa mundele que makambuya zali kolobezali a solote yondo zali koloba solo. Ce qui, 58 ans après Luanae, la plupart de nos compatriotes sont incapables de défendre la vérité. Bazali Kobanga. Mais mettez-vous à la place de ces personnages mythiques. Nangonga ya Fimbo, Nangonga Bazali Kokata Batomaboko, Yea Ibisaki Mundele, Olekingai Namayelete, Biso Batu Moindo, Tokozala Batu Minene Lobby. Simon Kimbangu ne s'était pas battu uniquement que dans un combat doctrinal, mais il s'était battu aussi pour la dignité de l'homme noir que nous sommes. Son indépendance et sa liberté. Ngai mutu nazali combattant. Tikanae bisabino que Simon Kimbangu azali inspiration pour nabiso ba combattant. Nayango, exemple, nini toko retenir na bénédiction wana ya munene nzamba pesaki biso. Parce que bato ndenge wana eumelaka makasi po tozwa bango. Mais avantage de kozala nango ezali ko retenir passage na ye awa na mokili. Ezali kozala na courage. Courage à makasi l'air ozali ko défendre vérité. N'est jamais trembler devant le mensonge et dénoncer le mal d'où qu'il vient. Wana ezali exemple munene, ezali enseignement munene. Papa Simon Kimbangu atikeli biso. Pona yo papa représentant légal son éminence Simon Kimbangu Kyangani, toko souhaite yo kaka joyeux anniversaire. Le toye mbakango, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Nazali ne s'engomingi parce que Zali Mbalananga liboso ya Konyata ville sainte. Ezaki souwe nanga mikolo nyonso.
Nayango Nakosenga Ezaki Bosenga chef de l'État que Nangongao ya alternance pacifique Namboka Nabiso Nangongao yo Bakongole Bandimi Kovanda place Moko Basale l'école na otobengi coalition Tosengi na son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani na église Mobimba Bosambela pona chef de l'État Bosambela pona ekolo Bosambela pwete mandat oyo et réussi ezala mandat ya refondation ya mboka na biso ezala mandat oyo ko consacrer unité ya mboka na biso cohésion na kati ya mboka na biso oyo ko consacrer fraternité parce que royaume nyonso ezaka divisé ezala ka voué na échec bosambela pona mboka na biso toyebi ke bosalaka yango mais bokoki pe ko sala davantage pour être na élan oyo mboka na biso ezwi tozwa ba blocage te to kende kaka liboso na kosilisa te sans ko féliciter église kimbanguiste oyo alakisi na polele kazali ko soutenir bâtiment chef de l'état na cadre ya gratuité ya enseignement nulle part tozwi ba information que ba école conventionnée kimbanguiste ezali commis s'opposer na gratuité enseignement ezali exemple munene pona ba confession religieuse mususu o ezali oyo ezali ba partenaire ya l'état na secteur ya éducation balanda parce que gratuité et enseignement ezali na double avantage avantage ya liboso ezali que bana na biso bazaki na moyen ya kotanga te bazwi possibilité wana déperdiction scolaire et kokita makasi parce que les loyo justification ata moko ezali te pour témoin atika la ndapo avantage ya mibale ezali que ba économie ya ba famille économie ya ba ménage ezali renforcé vous imaginez ce qui famille ezalaki na bana mine ya kotangisa na école primaire bazali kofuta $400 na mbula ça vous fait pratiquement plus de $1000 $1000 wana eko servir na économie ya libota pona ba dépenses mususu ezali aspect social il y a gratuité de l'enseignement. Nous en sommes conscients. Tu es dit que ekozo mbongo mingi, mboka na biso ezali na mbongo mingi te, tozo bunda po ete mbongo budget comme munene. Mais tozali na choix te parce qu'il faut to banda quelque part. Ne to bandeli wana na gratuité enseignement. Et sengel to sala nini kande nge na avion pilote alobaka serrer vos ceintures parce que tozali na ba mouvement ya mabe ou ba bengi turbulence et sengeli to serre ceinture to zonga simate parce que lobby lobby kone koza la gratuité n'accès na soins de santé primaire nous sommes convaincus que toko koma na ba avancé wana sur le plan social. Au cours de la première journée commémorant le 60 ans de la mort du prophète Simon Kimbangu, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a appelé à l'unité, l'amour du prochain, au respect des autorités et de la paix. Coutume, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le représentant du chef de l'État, a assisté aux honneurs et défilés avant de poser sa signature dans les livres d'or afin d'immortaliser son passage en Kamba, ville sainte de Kimbanguiste.